les deux spots là. Puis l'emplacement est pas pareil parce que je filme sur mon bureau parce que mon trépied, j'ai perdu la petite pin qui attache. Tout va mal, mais j'étais prête à filmer la vidéo, fait que on fait avec ce qu'on a, puis il est vraiment tard. Et j'ai été obligée de mettre un spot, puis là je viens de m'aveugler, je vois plus rien. Puis c'est ça, puis il n'y a pas de parapluie, fait que j'ai le spot direct. Mais j'espère que ça ne vous dérange pas trop, mais c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mes choses de décoration. Fait que c'est ça. Je suis pas en appart, puis j'y vais pas bientôt non plus. Je sais pas quand j'y vais, mais quand je vois des petites choses cute, puis que je sais que je vais aimer longtemps, puis tout ça, je la jette. Fait comme ça, quand je vais aller en appart, je vais déjà avoir ça d'acheter. Ça va être des choses de moins, puis c'est des décorations qui vont fitter, puis tout ça. Puis, tu sais, comme je jetterai pas un bureau ou une poubelle, là. Mais toutes des petites affaires que je peux, mettons, mettre dans une boîte, puis serrer, puis quand je vais être prête à partir, je vais les avoir déjà. Parce qu'on le sait, quelqu'un qu'on déménage, on pense pas tout de suite déco, vu que ça coûte quand même cher. Fait que moi, j'ai décidé d'en acheter un petit peu. Puis il y a des choses aussi que je vais mettre, que je mets dans ma chambre en attendant, puis tout ça. Mais voilà, fait que je sais aussi que j'ai oublié des choses, puis il y a des choses que j'ai pas avec moi, que c'est dans ma troisième, mais je vais vous dire c'est quoi. Fait que si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Fait que premièrement, je vais commencer avec ce que vous voyez ici. Ça, je viens juste de les acheter cette semaine. Fait qu'ils vont être encore en vente, c'est au Walmart. Fait que c'est des trucs pour la salle de bain de Mickey Mouse. Sérieusement, je pouvais juste pas m'en passer, ok? Fait que ça ici, c'est un porte-porcelain. Fait que j'ai emporté mes porcelains pour vous montrer. Donc c'est juste trop... Oups! Je pense que c'est pas ma brosse à dents. Je pense que c'est une vieille brosse à dents. Fait que ça fait tout ça. C'est tellement cute là, quoi, je pouvais pas résister. Donc c'était 8$ ça. Puis j'ai pris le porte-savon. Le... Pour mettre du savon en liquide. Puis c'est trop mignon là. Écoutez, c'était 8$ aussi. Puis il y avait un autre, c'était un petit verre que tu peux mettre plusieurs brosses à dents dedans. Puis je crois vraiment que je vais aller l'acheter parce que... Écoutez, là, on peut pas passer à côté de ça. Je sais que ça fait vraiment quétaine. Puis que c'est sûr, j'aurais pas ça dans mon appartement tout le temps, là, mais c'est juste trop cute. Puis je pouvais pas passer à côté, ok? That's it, on porte pas de commentaires là-dessus. C'était juste. Je suis trop quétaine de même, fait que j'avais pas le choix de les acheter. De ça, j'ai acheté un petit pot. C'est un hibou, là, je vais faire des rapprochés. Mais dedans, je mets mes breloques à bracelets, puis ça, mais. Là, je vous le montre parce que c'est une déco, là. Ça a pas trop rapport avec l'appartement, mais vous allez peut-être me demander pourquoi il y a des choses que je vais pas développer, comme j'ai acheté des tapis, puis ça j'ai les accroches dans mon garde-robe, puis je les utiliserai pas ici. Mais en tout cas, je pouvais pas passer à côté, vous allez voir. Fait que c'était un petit bout, je l'avais pris au Stoke, il était 2,99$, puis il est juste trop cute. Ensuite de ça, je me suis acheté un rideau de douche, ok, parce qu'il va fitter avec les tapis, puis il était juste trop beau. Fait que là, j'ai arraché l'emballage, mais il est comme ça. Si vous allez voir là, presque toutes les choses que j'ai achetées, c'est ce style-là. Puis j'ai tout pris, j'ai pris la plupart de mes articles, ça vient du art, où ce que je travaille. Fait que voilà, c'est un rideau de douche gris. Fait que je l'adore, il était 10$. On va passer au tapis tout de suite, fait que je vais commencer avec lui. Donc c'est des tapis en mousse mémoire, puis ça c'est juste parfait. Fait que j'en ai un gris comme ça. C'est tellement doux là, sérieusement. Ça n'a pas de bon sens, puis vraiment c'est doux, si vous pourriez le flatter. Fait que voilà, il était 10$ aussi. Fait que c'est ça, puis j'ai pris l'autre parce que vous allez comprendre pourquoi. Ah, la couleur, avez-vous vu la couleur? Oh my god. Fait qu'il était 10$ aussi, puis je capote dessus. Je capote littéralement dessus. Fait que voilà, ça je viens juste d'acheter ça. C'est un coussin avec une doudou, puis ça je vais le rester emballé là. Ben, j'ai déjà beaucoup de doudous ici, mais ça, je me dis que ce style-là sur un divan, c'est trop parfait. Fait que, il y a un petit coussin, puis en arrière, c'est comme un mouton. C'est trop doux! Puis la doudou est comme ça. Fait que, voilà. Ça, c'était 20$. Fait que, mais c'est tellement cher, là, des doudous. C'est trop doux. Je suis encore au art. Puis ça va aller avec un article que je peux pas vous présenter. C'est un coussin pour dehors que j'avais acheté, là. Un petit coussin... Le motif là, encore une fois rouge, mais j'avais mis dans ma motorisée, puis mes parents sont partis faire le tour de la Gaspésie, puis ils sont partis avec le coussin. Et c'est ça. Mais ça, c'est pour mettre sur un siège dehors. Fait qu'il y a la petite ganse pour attacher, puis tout ça, puis c'est imperméable. Je l'ai rentré, il était dehors, puis là j'ai peur qu'il y ait des araignées, j'ai checké comme moi avant que de le rentrer. Mais c'est ça, puis ça fait... c'est trop parfait. Là. Écoutez, ce motif là, j'en mangerai. Fait que c'est pas compliqué, c'est vraiment mon motif préféré ces temps-ci. Je crois que c'est Aztec. Non, même pas. En tout cas, vous me dire dans les commentaires si vous le savez.
Fait que voilà, puis ça c'était 11$ je crois le coussin là. Puis le petit coussin carré, vous allez voir dans une vidéo à ma main, lui il était 8$. Ensuite de ça, ça aussi je viens juste de l'acheter, mais là je sais pas si je vais le garder. Puis ça, ça va être pour ici là. C'est comment on appelle ça? Une douillette. Fait que comme ça. Fait que dites-moi si vous la trouvez belle, ok? Ça me tente pas de la déplier non plus pour la mettre sous mon lit. Mais c'est très simple. Puis elle que j'ai en ce moment, elle s'en vient vraiment usée. Puis ça, je trouve que ça fait simple et chic en même temps. Elle était vraiment pas chère, elle était 20$, ok? Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Puis je vais attendre de vos commentaires pour savoir si je la garde ou pas. Fait que voilà. Je vais checker si j'ai pris une bonne grandeur. Okay. Fait que c'est ça. Il me reste déjà juste deux articles. Fait que premièrement, j'ai ce petit hibou là. Vous l'avez peut-être déjà vu dans ma vidéo DIY, je crois qu'on le voyait en arrière. Fait que les fleurs venaient pas avec là. Mais oh, il y a encore des restes de vraies fleurs dedans. Et là, il y a trop d'humidité, mais je vais vous le montrer en arrière-décor. Fait que je le trouve trop parfait. Okay. Puis quand je l'ai mis une photo sur Instagram, tout le monde me demandait où est-ce que je l'avais pris. Je l'ai pris au Dollarama. Mais essayez pas de le trouver là. Parce que moi-même, j'y ai retourné comme deux jours après, puis il n'avait plus nulle part. J'ai fait 3 dollars, puis il n'avait plus. Parce qu'au début, j'avais acheté un rouge, puis là, ma mère a dit « Oh, je veux le rouge! » Fait elle, elle avait acheté le blanc, fait qu'on a échangé. Mais une de ses amies avait toutes les décorations rouges. Fait qu'elle avait un blanc, fait que finalement, on s'est remonté avec deux blancs. Mais le rouge était tellement beau qu'on a essayé d'en trouver un autre, puis on n'a jamais été capable. Fait que c'est ça, 3 dollars là. Puis il y en a une, elle m'a dit qu'elle avait acheté le même au Walmart, là. Genre à 10 dollars. Fait que voilà, puis j'ai mis des fausses fleurs dedans, tout simplement. Et mon dernier article, je l'ai pris au Walmart, puis sérieusement, j'ai jamais vu un bibelot comme ça. Donc c'est un nanana. Il est trop parfait, là, fait que t'sais, ça fit vraiment ensemble, là. Ça peut pas fitter ensemble. Fait que il est parfait. Je l'ai pris au Walmart, je crois qu'il était... J'ai aucune idée du prix. Oh, yiii! J'ai aucune idée de combien je l'ai payé, mais sérieusement, là, je l'aime trop. Et bien, je l'ai mis sur ma bibliothèque. Ensuite de ça, il y a deux meubles dans ma chambre nouveaux. Fait que il y en a un si vous êtes dessus présentement. C'est juste une commode blanche. Puis dans mon vlog, vous avez été plusieurs à me demander où est-ce que je l'avais pris. Donc j'ai pris Walmart. Il était 200$. Fait que je vais le mettre ici. Puis j'ai pris la chaise que j'ai sur moi. C'est une fille qui le vendait aussi. C'est une chaise d'IKEA. Fait que comme j'ai dit, j'avais pas d'IKEA ici. Puis quand j'ai vu qu'elle la vendait, j'ai sauté dessus. Fait que c'est une chaise rose comme ça. Là. Je sais pas le nom. Donc voilà pour mes vidéos d'achat, j'espère que vous avez apprécié. Fait que si vous aimez ça, ce genre de vidéos-là, dites-moi dans les commentaires, moi j'aime vraiment ça. On dirait qu'à cette heure, là, j'aime plus acheter des décorations que du maquillage. Fait que voilà, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!